zavan saporo rumili wa sharia, saporo volo haki. Nangula sul harmanitsi. Na ivotsa volo i haki yodi anjali ya leon yovan, natulwa shivani badama amine wanusu. Namnanye se zarongolo amba aritibi. Namnanye se zarongolo amba tivolo amgarakara. Zongo nakotan mambie niyo, de hukamba tikia zarongolo avan. Amba mtu ya kalazimu, aendresi ya mahkama yani tide wanyu. Monsieur le Président, tikia zarongolo avan. Amba ilazimu ikamba mtu ajwende sa mahkama ani mtu kaone idosye. D'accord. Na antu arongo ambe idosye yo uyono. D'accord. Babonsona amba tijati para harma mahkama tia halal. Nambeli za makavi ti halali. Naam. Waja. Wasijo kamba ariwa ode wanhukumuo. D'accord. Harmantongo nizo na amba kazizi za haki. Monsieur. Vavo monsieur le Président. Monsieur. Msivenza nuhambi. Monsieur. Madame ilu amba kwamba ntongo za halo. Wami na hika ukenti amba usibaki wawe na amasasur. Mana zirongolo amba rilu wa irongo amba antu wawe lazim dekrede iwa henti. Wawe mjamto wa arete amba rile ya wahenti. Vavo imahkama ini kayisi ya halal. Na makadhi kayasi ya halal. Vavo wame nsimambia ntis tayari. Wame huka. Amba njo nimsaidie nimfanyo vulma. Tisika liyara. Nimsaidie mjomun dhulumu wa mdhulumu wangina. Vavo nsirongoa. Na amintu mainu amba wantu wa sinkia. Amba wame. Ahmad Abdallah Muhammad Sambi Tistayari Wamuhukamban kena wanyu Namfanye ntongozanyu Halo mazihenti Mangie namna mahenti Mjomuhukumu namna mahenti Be Wamitakubalu wamuhukaharma Mahkama ya haramu Nambeliza makabu ya haramu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت مرحبا. Une minute, une minute. Non, non. Maître, maître, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Maître Chosa, asseyez-vous. Une minute. Monsieur Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, nous. Yetika wanyidani huu ni rekiyo au ni huambie kakuja kwa lazimu ujua uhime urongowe. Bon hujuha uhimi uhambeza hao. Vanu mavukahu heli waishe mavukahu wa demande ekuru endeito wa decision. Kai mahakama nga uya haki. Donku ya abu nchudhwa nikaa weu kana fursa ujua uambie abu. Kanza uambie marungo uonese. Zefikira zao, shia zoka zirendo, Said, zoka zirendo hata, ranzima avuka wa hamba, zenonguza haho, rarijiretiri, raringa decision, ya avuki jaka kanamana ujuhe, shia ufanya forcing, uzamba. Donku kadoa saya, mitina huni kamrongo kange, ndo ya rume kadriyo, mavuka hao, wajoro ngowa, ikarifanya lecture, ya he, ordonansi kawi ube habanu, leisa ujofanya zideklarasyon zaho izo tena. Shia kadoa saya, tina huni kamrongo. Mitri Mahmoudi. En observation. Non, non. Abou, d'où on a masulah? Ah, ah, mais, bon, Mohamed, t'as fait du Liban, bah, ma, canon, y a masté. Mais, ou, j'avanon, j'ahu, fanya, rongo, tsondizo, tsuni, ke masté, yao. On, yaho, voilà. Ah, ah, tsuni, ke masté, ya, ata, ou, tirongo, kezirango. Tsuni, ke masté, yao, yo, hakiao. Yo, hakiao, Mohamed. On, ke masté, yao. Donc, tsuni, kayo, kujabanu. Rahu buskuile, rahu ronguza naisha, yo haki. Rihunike mastehi yao. Donku mimi yuzu ni hutaha ukozi. Unike kuru ya mastehi yao, jehli wa unike mastehi yao. Bas, rinungu ni hutaha ubas. Bas. Kanja huniku mrongo, utirungu mrongo. Tafadwal. Wala. Merci, Maître Mahmoud. Monsieur le Président, Richelieu est déclaration avec Lyon Hak. Ya Zamba. Baishi azamba namna akantiro parce que mrongo mumtsaha ya daze sha azamba yabo sisinga sibanu sibabundaye sheka hamande namna ya hamba hadeside ukakatubaki yabo sisi kartina ubakiwa
Abdani yone logique parce que madame Arikana client ya haja usoni mama kama ya décider nongo kahamba ukana rejezi wabano ya fungwa baka tubaki ya bo mimi no wana amamdani kartina haki ya ubaki wano mdani wana mambu wajuja bawani mdwe ya wanasefi kreha na une minute attends je termine kanya vous avez. On épuise la défense pour qu'ils appuient la déclaration de leur client. Monsieur le Président, on est venu ici pour assister à un procès indépendant dans le respect des droits de la défense. Il vous a été soulevé des exceptions ce matin. Vous les avez balayées, pardonnez-moi. Vous êtes en droit de le faire. Mais il n'empêche que je peux vous répondre que je n'ai jamais vu un président de cour d'appel, de chambre d'instruction, de chambre d'accusation statuer uniquement sur la liberté sans examiner les faits. À chaque début d'audience, il y a l'examen des faits et la preuve en est. Lorsqu'en fait l'ordonnance de rejet de mise en liberté est rendue, il y a les faits sont graves. Donc ça veut dire qu'en fait on a une vision de cela. Donc effectivement, par rapport à cette récusation que vous avez balayée, j'estime pour ma part et avec tous nos confrères que nous sommes non désirés dans cette affaire. Je vais vous remettre une lettre du ministère des Affaires étrangères de mon gouvernement qui vient dire qu'en fait, elle avait insisté auprès de votre président pour que le procès rapide puisse avoir lieu, en tout cas avant la fin de l'année, dans le respect des droits de la défense avec un procès équitable. Nous estimons aujourd'hui que le procès n'est pas équitable. Vous verrez aussi des déclarations, parce que vous allez lire effectivement l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance effectivement pour haute trahison contre le président Sambi, et vous verrez qu'en fait, l'absence d'indépendance dans cette affaire est complètement établi dans la mesure où vous êtes là pour juger d'un crime de haute trahison. Et dans la rédaction de l'ordonnance, il sera indiqué le crime de haute trahison n'est pas prévu, mais on va le reconstruire. C'est-à-dire que d'une part, la souffrance que nous avons eue dans ce dossier eh bien, était établie au départ parce que vous avez un ministre de la Justice qui avait dit que le sort de Sambi, c'était le président de l'Union qui le déciderait, et non pas, pardonnez-moi, mais c'est faire fi effectivement de votre juridiction. Et vous verrez également que, de l'autre côté, ça c'est au niveau de l'exécutif qui imprime son sceau sur votre pouvoir judiciaire, et de l'autre côté, l'action de l'ordonnance, il est indiqué, ça n'existe pas.